Bonjour Ignacio Sanchez-Recarte, vous êtes le secrétaire général du comité 20 à Bruxelles. Déjà une première question, comment allez-vous et comment vivez-vous ce confinement? Bonjour et merci pour l'invitation. Pour le moment, on va dire que le confinement se passe très bien. Heureusement, il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles ni dans l'équipe ni dans ma famille. On a la chance de pouvoir travailler en télétravail, d'avoir une bonne flexibilité du bureau et des très bons collaborateurs pour maintenir la machine en mode opérationnel, le bateau à flot. Merci. Allez, je rentre dans le vif du sujet. Cette semaine, c'était mercredi 15 avril, les députés européens ont rencontré le commissaire européen à l'agriculture. Les échanges ont porté sur les aides de l'Union au secteur agricole en général et les réponses, semble-t-il, ont été assez mal vécues puisque le commissaire a essentiellement mis en avant les limites de son budget. Vous confirmez cet échange et cette forme de déception? Exactement. Il y a une grosse guerre qui... au niveau du budget qui est en train de s'ouvrir. On est confronté à une crise qui touche tous les éléments, presque tous les éléments de l'économie européenne, de la société européenne. Et il y a quand même pour voir comment les fonds extraordinaires ou les fonds existants vont être attribués. Est-ce que dans ce contexte, de façon globale, on rentrera plus précisément dans la filière 20 après, mais est-ce que vous trouvez jusqu'à présent la réponse européenne correcte, pas suffisante? Comment la jugez-vous? Alors, on n'est pas d'accord sur la réponse. On croit que la situation mérite l'analyse approfondie du déblocage de fonds extraordinaires. Néanmoins, on peut comprendre la rationalité de la Commission européenne qui dit vous avez des fonds dans les programmes de support national et ces fonds devraient être la bourse dans laquelle on va aller récolter du soutien pour le secteur agricole. Il y a cette bataille, est-ce qu'avec ces fonds-là, on peut soutenir le secteur ou est-ce qu'on aura besoin de fonds? Nous, on pense qu'on aura besoin d'autres fonds, que ces fonds de programmes de support national doivent être utilisés pour les mesures qui sont prévues dans les programmes de support et pas pour des mesures extraordinaires. Est-ce que vous avez le sentiment que la filière vin, elle est considérée dans tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'elle soit oubliée? Le vin n'étant pas un bien agricole de première nécessité? Alors, oui, bien sûr, il y a un gros risque qu'on ne soit pas... qu'on ne soit pas considéré. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il y a d'autres secteurs qui sont beaucoup plus touchés que le nôtre, ou qui sont plus directement touchés, comme le secteur HoReCa, les hôtels, restaurants, cafétérias. Il y a d'autres secteurs qui ont dû complètement arrêter l'activité. Dans notre cas, l'activité n'est pas à 100% arrêtée. On continue à maintenir une certaine cadence d'action et de vente, beaucoup plus petit de l'habituel. Et si on est capable de mesurer et d'expliquer comment et pourquoi on est touché, bien sûr, il y a d'autres priorités sur la table et on pourrait être exclu. Donc, il est fondamental qu'on fasse une analyse d'impact sur comment le secteur vitivinicole est touché pour pouvoir, en tout état de cause, avec des explications claires et des chiffres à la main, expliquer quel genre de mesures doivent être appliquées. C'est ça votre quotidien de travail en ce moment au comité 20, Ignacio? Exactement. Il y a à peine une heure, on vient d'envoyer une lettre au commissaire européen de l'agriculture, au commissaire aussi de l'économie, Gentiloni, avec un brief, une note qui explique en détail comment le secteur du vin est touché par cette crise du coronavirus, ce qu'on sait aujourd'hui. Et déjà une batterie de mesures, un cocktail de mesures à mettre en place pour soutenir la filière dans le court terme, préserver la vie des sociétés vitivinicoles et, deuxième lieu, la renaissance de notre secteur, la rouverture, la récupération des marchés des vins. Alors justement, depuis un mois maintenant que
l'Europe, une grande partie de l'Europe est confinée. Quel bruit entendez-vous des acteurs de la filière vin un peu partout en Europe? Quelles sont les situations dans les principaux pays producteurs ou même d'autres? Qu'est-ce que vous entendez de principal? Bon, ça fait plus ou moins 3 semaines qu'on fait une analyse quotidienne de la situation. Aujourd'hui, je crois qu'on a une vision relativement claire de ce qui se passe. On peut dire qu'aucune entreprise aujourd'hui travaille à 100%. Il y en a même qui ont dû fermer à cause des problèmes logistiques et surtout de la réduction de ventes. En général, le marché on-trade, donc le Horeca, touche un 30% du marché européen en volume, un 50% en valeur, et ce marché est complètement fermé. Donc, on a vu une baisse des ventes de plus d'un 50%, mais qui est très, très hétérogène, puisqu'on sait qu'il y a des entreprises ou des régions qui dépendent beaucoup de la grande distribution, tandis que d'autres entreprises ou d'autres régions dépendent beaucoup plus du canal Horeca. Je pense notamment, par exemple, la Champagne, dans le cas français, c'est un secteur qui se vend beaucoup plus dans le on-trade, dans le Horeca, que dans la grande distribution. Donc là, même si l'impact est un tout petit peu hétérogène, on peut dire aujourd'hui que, en général, les entreprises de vin prévoient pour le premier trimestre, pour les premiers 4 mois de l'année, une baisse de au moins 35% du chiffre d'affaires, sachant que les deux premiers mois et demi étaient plus ou moins normaux. Est-ce qu'on s'attend à un rebond, à une courbe économique en V, c'est-à-dire il y a un effet crise et puis ça repart? Comment sentent les acteurs là-dessus? Qu'est-ce qu'ils prédisent? Non, on prévoit une crise au moins à moyen terme. Pourquoi? Parce que notre secteur, qui est un secteur qui s'appuie sur des petites entreprises principalement, des SMI, c'est un secteur qui a vu ou qui est en train de voir une destruction partielle de sa chaîne de vente, qui est le canal Horeca. Il y a beaucoup de restaurants, beaucoup d'opérateurs qui vont fermer, qui sont dans des problèmes économiques. Et le jour où le confinement arrêtera, on ne va pas voir une récupération immédiate de nos chaînes de vente. Donc, il va falloir un investissement de court terme et de moyen terme pour récupérer. On ne prévoit pas donc une courbe en V. Les filières, vous évoquiez la Champagne juste avant, et c'est évidemment une appellation qui nous touche particulièrement, nous ici. Une filière comme la Champagne qui exporte également beaucoup, est-ce que l'export, ça sera un défaut demain, parce que les échanges risquent d'être un peu plus ténus que dans le passé, ou est-ce que ça peut être de nouveau une solution de développement économique? Ça doit rester une solution de développement économique, parce qu'on sait que le marché européen est relativement saturé, et aujourd'hui, notre croissance est à l'extérieur de l'Union européenne. Donc, il le faut, et ça doit être un moteur économique. Mais même les exportations sont touchées. Ce n'est pas seulement. Elles sont touchées pas seulement parce que d'autres pays ont aussi mis en place des mesures de confinement, mais aussi à cause des problèmes logistiques qu'on est en train de voir, d'évaluation de la monnaie, de certaines monnaies comme au Canada ou au Brésil. Le commerce extérieur est en train de souffrir beaucoup et on a besoin de lui pour la reprise. Il est fondamental qu'on ait du soutien pour récupérer nos marchés, pour reconstruire nos marchés à l'extérieur et reconquérir des nouveaux marchés aussi. Vous imaginez un retour à la normale quand? À la fin de l'année? Dans le courant de 2021, comme dans le secteur de l'aviation qui parle de 2022? Plutôt vers la fin de 2021 que fin de 2020. Il est très improbable que pour la fin de cette année, on revienne à une situation normale. Il y aura le problème du tourisme. Le tourisme qui va être presque fermé pendant la période d'été va avoir un impact sur le cash flow des entreprises, sur leur capacité de vente, sur le stock. Il y a une partie de l'Horeca qui va se détruire, il va falloir le reconstruire. Les flux extérieurs vont devoir aussi se reconstruire. Donc, avant la fin 2021, ce sera extrêmement
ce serait extrêmement optimiste de notre part de penser qu'on va pouvoir récupérer la situation. Plus, on parle seulement des flux de vin, mais il faut tenir compte de la crise économique qui nous attend. Et cette crise économique, comme vous dites, le vin n'est peut-être pas un produit de première nécessité comme la farine ou l'eau, mais un produit qui a quand même une valeur ajoutée, un produit relativement de luxe dans certains marchés, et la capacité des consommateurs traditionnels ou pas traditionnels pour acheter nos produits va se voir réduite énormément. On peut rappeler, Ignacio, si vous voulez bien, quelques chiffres sur ce que représente le vin en Europe. Le vin en Europe, c'est plus ou moins en exportation. Donc, c'est le premier produit agricole à être exporté. C'est 12,8 milliards d'euros en 2019. C'est un chiffre d'affaires sur le marché au-delà, nos estimations sont au-delà des 100 milliards d'euros. C'est un peu moins de 3 millions de travailleurs. C'est une superficie agricole équivalente à la Belgique. Parce que je vis en Belgique, j'essaye de faire ces comparaisons. Et c'est un moteur économique dans plusieurs zones rurales où il n'y a pas d'alternative. Une dernière question, Ignacio. Souvent, dans les périodes de crise, on voit de nouveaux modèles émerger. Est-ce que celle-ci peut faire l'objet de ça? Est-ce que la filière vitivinicole peut voir de nouveaux modèles émerger au bénéfice de cette crise? Alors oui, il y aura. On a vu lors déjà de cette crise une augmentation du commerce en ligne. On a vu les plateformes de vente de vin en ligne, la vente directe ou online, s'est augmenté de plus d'un 100% dans plusieurs de ces plateformes. Les entreprises commencent à regarder aujourd'hui comme une alternative nécessaire d'avoir des ventes directes aux consommateurs ou à travers l'utilisation de ces plateformes de vente en ligne. Ça reste pour le moment très petit au niveau du marché. Ça ne peut pas absorber les ventes qu'on est en train de perdre dans le marché Horeca. On va voir une digitalisation des ventes et cette nouvelle ligne de vente va se développer beaucoup plus fortement que dans le passé. Merci beaucoup Ignacio Sanchez-Recarté d'avoir passé ce moment avec nous. Et puis j'espère vous voir physiquement très prochainement. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir, à bientôt.